suis content de te voir ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pour introduire ce temps, j'ai eu à cœur, lorsque je préparais les chants depuis déjà 2 semaines, ce texte que nous avions, par la grâce de Dieu, en 2021, partagé ici, Actes chapitre 3, à partir du verset 1, il est écrit: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, ou 3 heures de l'après-midi. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: « Regarde-nous !» Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit: « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes d'un saut. Il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné a couru vers eux au portique dit de Salomon. Amen. Il est entré dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Pierre et Jean ont dit à cet homme: lève-toi et marche. Au nom de Jésus, ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Et la Bible dit: il s'est levé, il est entré dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Pour ce qu'il venait de vivre, l'expérience qu'il venait de vivre. Et comme nous l'avions partagé en 2021, nous sommes un peu tous comme ce boiteux. Nous naissons pécheurs parce que le péché nous a déformés. Mais le jour où nous avons rencontré le Christ crucifié, le Christ ressuscité, glorifié, qui revient, ce jour-là, nous sommes entrés dans sa maison, marchant, sautant, louant Dieu. Mais ce n'est pas seulement ce jour, c'est tous les jours de notre vie jusqu'à ce qu'il vienne. Nous marchons, nous sautons et nous louons Dieu. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Alors si vous êtes d'accord avec ça, vous n'avez pas d'autre choix que de vous tenir debout avec nous et de louer Dieu ce matin. Si tu veux sauter, bon, saute pas trop parce que le plafond, ben, si tu veux sauter, louer Dieu, loue-le ce matin. On va louer, célébrer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les disciples, le Seigneur venait de monter, d'aller au ciel. Il n'était plus au milieu d'eux. C'est le premier des miracles là. Pierre et Jean qui vont au temple, le Seigneur n'est pas là pour dire si ça rate. On va peut-être demander au Seigneur: viens nous aider parce qu'on n'a pas utilisé la bonne formule, on n'a pas fait comme il fallait. Non, il n'est plus là. Mais ils ont mis leur foi en œuvre dans le nom du Seigneur Jésus. Et la Bible nous dit dans Actes 4, 17 qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le nom seul de Jésus qui peut nous sauver. Alors on peut proclamer son nom: Jésus est au milieu de nous. Jésus.
Jésus est au milieu de nous. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Vous êtes heureux d'honorer le nom du Seigneur? Gloire à Jésus. On va prendre ce chant qui dit « Je me réjouis dans le nom du Seigneur ». Célébrerai le nom du Seigneur, je célébrerai le nom.
Imaginez un instant la joie de ce boiteux qui était là assis devant la porte. Il est guéri. La Bible dit qu'il rentre dans le temple marchant et sautant, louant Dieu. Sachant que plus jamais il ne va faire le monde, plus jamais il ne sera rejeté, négligé, parce qu'il a rencontré Jésus. Amen. Alors n'hésite pas ce matin à te réjouir dans le nom de ton Seigneur. Je veux me réjouir. Ce n'est pas fini. Du coup, on te donne encore cette occasion de te réjouir dans le nom du Seigneur. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Éternel est chante ma alléluia. Force. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Roi des rois. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher. Oui, nous te levons, Jésus, toi le Rédempteur du monde, toi qui nous as rachetés, à toi la gloire, Jésus, à toi l'honneur et la puissance, à toi seul, alléluia, gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Ton nom, comme une
les peuples entendent et chantent, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Que le piano continue à jouer et la guitare. Nous allons tous ensemble élever nos voix pour célébrer le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Ton nom, il y a le salut dans aucun autre nom que dans le nom de Jésus, celui que nous adorons, celui que nous élevons, celui que nous célébrons. Ton nom commune autour aux quatre vents, Seigneur mon Dieu. Merci Seigneur Jésus, parce que en ton nom Seigneur mon Dieu, les malades sont guéris, en ton nom les morts reviennent à la vie, en ton nom Seigneur les poussés sont délivrés, au nom de Jésus, le nom de Jésus qui est proclamé, le nom de Jésus qui est élevé, le nom de Jésus qui est célébré ce matin, Seigneur en ce lieu, dans cet endroit, Seigneur mon Dieu, nous élevons, nous proclamons ton nom. Seigneur, à la gloire, le Dieu, le Père. Alléluia, gloire et louange à toi, Jésus. Merveilleux, de profond, de parfait,
de merveilleux. Seigneur Jésus, je veux te dire que tu es celui que mon cœur aime. Alléluia. Je vais dès le matin chercher ta face. Je vais me coucher auprès de toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, je veux soupirer après toi chaque jour. Parce que dans les moments difficiles, dans les moments d'épreuve, je sais qui tu es, je sais que tu m'aimeras toujours. Je ne veux pas regarder aux situations, mais je veux regarder à celui que mon cœur aime. Amen. Je veux regarder Amen. À celui qui m'aime. Vraiment, sa bonté n'a pas de limite. Son amour est infini. Tu es celui que mon cœur aime. Tu es celui que je cherche jour après jour. Parce que je te connais. Tu es mon berger, je suis ta brebis, je suis ton enfant. Et je sais que rien ne pourra me séparer de ton amour. Je sais que rien ne pourra me faire du mal. Parce que tu es avec moi chaque jour jusqu'à ton retour. Thank you.
que les frères désignés pour la distribution du vin s'approchent, je vais vous inviter à prendre ce chant qui dit « Mon Jésus, je t'aime. Je t'aime, Jésus, je me sais aimé de toi. Je sais que tu m'as aimé le premier. » À ceux qui sont baptisés de se tenir debout. Mon Jésus, je t'aime. Je te sers à moi. Oh, quel charme. Oh, quel charme extrême. Me tiens à toi. Jésus. Seigneur, merci pour ton amour. Tu nous as aimés le premier. Alors que nous étions éloignés, toi, tu nous as aimés. Tu es venu jusqu'à nous. Tu t'es donné à la croix pour racheter des hommes et des femmes. Seigneur, tel que moi, ce matin, je veux pleinement, Seigneur, encore te dire merci pour ce que tu as accompli. Gloire et louange à toi dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour introduire ce temps, je vous invite à rester debout. C'est une courte lecture, la suite de notre texte. Après que cet homme qui a été guéri, la Bible dit qu'il va rentrer au temple avec Pierre et Jean, marchant, sautant et louant Dieu. Au verset 12, il est écrit « Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste. Vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Amen. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Vous avez fait mourir le juste, celui qui n'a point commis de péché, le prince de la vie, le juste,
est mort à notre place, est mort à ta place, est mort à ma place. Qu'ai-je besoin de plus que de savoir que le Christ a donné sa vie pour moi, pour le louer ce matin? Tu n'as même pas besoin d'avoir un niveau, je ne sais pas moi, en français. Tu as juste besoin d'ouvrir ton cœur et de lui dire combien tu l'aimes, combien tu es reconnaissant, reconnaissante de ce qu'il a accompli à la croix. Cet homme, par la foi, dira l'apôtre Pierre, au nom de Jésus, il a été guéri, il a été raffermé et il pouvait marcher d'un pas ferme. Par la foi au Fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, nous avons été guéris, nous avons été délivrés, nous avons été rachetés, nous avons été libérés de l'emprise du péché. Et aujourd'hui, nous pouvons marcher, sauter, louer Dieu parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, déclarera l'apôtre Paul dans l'épître de Romains. J'aime à dire qu'on peut prendre des cantiques et chanter les cantiques les uns après les autres, mais ce que Dieu regarde, c'est ce cantique nouveau qui monte du fond de ton cœur par l'expression de tes propres mots. Parce que comme disait quelqu'un, les chrétiens ne disent pas les mensonges, mais ils les chantent. Alors, dans le sens où on prend souvent ce chant, je te donne tout, mais on garde une partie. En réalité, ce n'est pas tout. Alors ce que Dieu attend de moi, de toi ce matin, si tu n'as jamais osé louer Dieu, élève ta voix, célèbre-le, pas pour faire plaisir à ton frère ou à ta soeur. Tu es entre toi et Dieu ce matin. Que tu sois baptisé ou pas, tu peux ce matin élever ta voix et louer le Seigneur. Amen. Je vais demander à notre frère Michel s'il veut bien introduire ce temps de Sainte-Seine. Et l'Église, on loue le Seigneur les uns après les autres courtement, on célèbre notre Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que sagesse et ce matin nous sommes là en famille. C'est parce que tu es celui qui nous a rachetés en grand prix. Et à cela, nous te disons merci, un grand merci Seigneur pour le don de Jésus, parce que c'est lui qui nous a rachetés, la malédiction est tombée sur lui, elle est tombée sur nous. Et ce matin, nous te disons merci éternel des armées célestes. Merci, agneau de Dieu. Louange et gloire et puissance à l'agneau. Amen. 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 Merci. Bon Seigneur, vivant avec toute simplicité, comme on l'a fait tout à l'heure, Jésus est mon Dieu. Ressemblant déjà à ses enfants, que Jésus a admis bien qu'il fût très fatigué et que les apôtres vivaient dans la vie en empêché. Et il a dit, laissez les enfants venir à moi et ne les empêchez pas. Car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Oui, qui ressemblent dans la pureté, dans la bienveillance, dans la simplicité, dans l'humilité, dans toutes les choses dans lesquelles Jésus lui-même s'est présenté. Merci Seigneur, afin que nous restions, ces élèves avec toi, notre grand enseignant. C'était un temps privilégié que tu as utilisé pour nous montrer que tout moment doit être exploité à la gloire de celui qui t'a envoyé et à la gloire de celui qui donnera sa vie pour nous acheter. Amen. Dans tout qui ne reconnaît pas sa cause et sa droite, c'est qu'elle nous fasse, Seigneur Jésus.
recevoir la gloire, la puissance, l'honneur et la majesté. Parce que Seigneur, tu m'as pris de loin, tu m'as lavé, très jeune Seigneur, tu m'as appelé à toi. Et ce matin, Seigneur, je suis tellement reconnaissante. Je voudrais, Seigneur, que le temps s'arrête pour t'adorer ce matin. Je voudrais, Seigneur, t'élever au-dessus de tout, parce que tu es grand, Seigneur. Tu es redoutable, le Dieu fort dans les combats, celui qui me soutient, qui empêche mon pied de glisser, qui me fortifie lorsque je suis fatiguée. Seigneur, que ton nom soit béni. Toi, le Dieu qui pourvoit mes besoins. Toi, le Dieu de ma jeunesse. Toi, le Dieu qui me garde. Seigneur, dans le creux de ta main, j'élève ton nom pour ce que tu es, mais également pour ce que tu fais dans ma vie. Tu es le Créateur. Tu es le faiseur de miracles. Sois béni ce matin, Seigneur, pour ta présence en ces lieux. Au nom de Jésus, amen. Oui, Seigneur, mon Dieu, je n'oublie pas quand tu es venu me chercher et quand il n'y avait plus d'espérance pour moi, quand c'était la mort qui m'attendait. Mais toi, Seigneur, tu es venu me chercher alors que je ne t'attendais pas. Tu t'es révélé à mon cœur, Seigneur, et tu m'as montré combien tu m'aimais. Alors, Seigneur, ce matin, je veux te dire que je t'aime encore. Que je veux m'abandonner, je veux m'abandonner encore à toi, Seigneur, ce matin, malgré mes échecs, malgré mes fautes. Mais ce matin, je crois que tu es celui qui m'aime. Ah Seigneur, je te dis merci ce matin encore pour le vin que je peux prendre, et te louer, te glorifier, te dire merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Prenons ensemble le pain. Ensuite, prenons ensemble le vin. On continue de louer le Seigneur. Seigneur, ce matin, je veux t'apporter la louange et l'adoration qui t'est due. Je veux te dire combien tu es bon et merveilleux à mon égard. Merci parce que si je suis là sans l'effet de ta grâce. Et ce matin, je veux te dire que je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Amen. Le Seigneur voudrait te rappeler ce verset. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche et je la remplirai, parce qu'aujourd'hui, tu n'oses pas encore élever ta voix parce que tu penses que ta louange n'est pas acceptable. Ouvre ta bouche et je la remplirai, parce que le Seigneur va remplir ta bouche de nouveaux mots, dans une nouvelle langue, dans de nouvelles langues. Tu raconteras des louanges dans une autre langue. Et lorsque cela arrivera, lorsque tu le chercheras, tu sauras que cela est le signe qu'il veut faire de toi son serviteur. Alléluia. Égoïste ou centré sur moi, mais c'est victoire.
parce qu'elle vient de toi, Seigneur, de tes souffrances. Et par tes meurtrissures, Seigneur, nous avons la guérison. Et Seigneur Jésus, je crois aussi, Seigneur, pour chacun d'une de ces personnes ici, Seigneur, frères et sœurs qui ont des besoins. Seigneur, je te remercie, Seigneur, je te loue, je veux vraiment, Seigneur, ne pas... je veux vraiment réfléchir, Seigneur, à tes promesses, Seigneur, dans la vie, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu, ce que le Seigneur a mis dans le cœur de notre frère. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça va? Très bien. Alors, nous continuons aujourd'hui notre réflexion sur les conséquences négatives et désastreuses de la désunion dans l'Église. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé au travers de deux réunions. Et donc, on va relire ce texte de l'Évangile de Luc au chapitre 13, à partir du verset 10. Luc 13, 10. Puisque le Seigneur nous enseigne, le Seigneur Jésus nous enseigne au sujet de la critique, puisque lui-même a été l'objet de beaucoup de critiques. Hein, on le voit dans les évangiles, et parfois les opinions étaient divergentes à son sujet et son message. Parfois, certains ont pu dire « mais cette parole est difficile, qui peut l'écouter ?» Et donc le Seigneur était habitué à la critique, et donc il a pu enseigner bien sûr dessus. Évangile de Luc, au chapitre 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu, mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. »« Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire ?» Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Seigneur, je te demande de nous bénir au travers de cette méditation de ta parole. Seigneur, je me prosterne devant toi, Seigneur, avec humilité. Seigneur, et ma prière, c'est que tu puisses me saisir par le Saint-Esprit. Seigneur, que tu puisses saisir cet auditoire par le Saint-Esprit. Viens nous visiter, Seigneur, et que tu puisses graver tes paroles dans nos cœurs, Seigneur, et que tu puisses transformer nos cœurs de pierre, s'il est besoin, en cœur de chair, en cœur sensible à ta présence et à ta parole.
Seigneur, je te prie aussi que je ne puisse laisser à terre aucune de tes paroles. Seigneur, aide-moi à bien faire le tour du message et que ton nom soit loué. Seigneur, bénis-nous ensemble, permets-nous de faire du progrès pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, si vous vous souvenez bien, la dernière fois, nous avons réfléchi ensemble aux motivations qui ont conduit cet homme apparemment respectable, ce chef de la synagogue, qui était un croyant de longue date, à tout d'un coup critiquer le Seigneur Jésus. Vous vous souvenez, hein, on a fait le tour. Et je dois dire que vous avez fait des étincelles, puisque j'avais noté quelques raisons, et à l'exception d'une, vous les avez toutes trouvées. Amen. Hein, on a quand même un auditoire extrêmement cultivé. Hein. Voilà, certains ont peut-être des milliers de réunions au compteur, et alors vous avez trouvé quasiment toutes les raisons. Et même mieux, vous avez trouvé des motivations que je n'avais pas notées. Alors du coup, j'ai pris des notes et je vous ai fait la promesse de les développer et de les approfondir aussi. Comme quoi, eh bien, quand on médite la parole ensemble, eh bien, il y a du bénéfice et nous louons le Seigneur pour cela. Mais en faisant ça, j'avais une petite idée derrière la tête, je dois vous avouer. Parce que, vous savez, prêcher sur la critique, c'est un sujet délicat quand même. Et donc, en prêchant sur ce sujet, je prends le risque que vous me critiquiez pour avoir critiqué constructivement nos attitudes critiques. Je répète, en prêchant sur ce sujet, je prends le risque que quelqu'un ou plusieurs dans l'auditoire me critique pour avoir critiqué positivement les comportements critiques. Voilà. Alors, je vous ai demandé votre avis. Comme ça, maintenant, on est tous dans la même barque. Ah oui, parce que vous avez trouvé les points. Donc, vous ne pouvez pas m'accuser en disant, David, voilà, pour qui tu te prends quand même de mettre à jour les motivations mauvaises de notre cœur, et toi, finalement, qui tu es pour faire ça? Eh bien, on a travaillé ensemble parce que ce message, il est pour moi, avant tout, et il est pour vous aussi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous savez, quand on prie le Seigneur pour être inspiré, eh bien, on a le message en primauté, j'oublie le terme français. En première, en toute première. Mais tout prédicateur sérieux doit faire l'exercice obligé d'appliquer la parole qu'il va prêcher à lui-même. Parce que vous comprenez, ce ne serait pas sérieux de négliger un message sur la critique, de ne pas l'appliquer à sa propre vie, et puis ensuite de venir sur l'estrade et de vous prêcher sur la critique. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le minimum qu'on puisse faire. Et donc, ce matin, le Seigneur va me parler, va vous parler, et on est tous dans la même barque. Et je pense que, si nous sommes d'accord sur ce message ensemble, le Seigneur va peut-être toucher nos cœurs sur nos comportements critiques, il va mettre le doigt sur certaines de nos mauvaises habitudes, un peu comme l'épée à double tranchant va se glisser jusqu'au cœur, jusqu'à nos pensées secrètes. Mais je pense qu'on pourra finalement recevoir cette parole avec douceur, avec délice, pour faire des progrès avec lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, est-ce que je continue? Ça va? Vous n'allez pas me fusiller? C'est bon. Alors, je crois que prêcher sur la critique, c'est spécialement bénéfique en France. Parce qu'en France, on est les champions de la critique, il faut le dire. On n'est pas bon partout. Il y a quelques... Bon, le football, quand même, on est bon. Mais on n'est pas bon en tout en France. Mais pour la critique, on est les champions du monde. Personne ne nous arrive à la cheville. On est formidable pour ça, on est les meilleurs. Imaginez, vous regardez un match de foot, vous avez mis quand même le jogging de l'équipe de France, et puis vous êtes comme ça sur votre fauteuil, puis là, il y a Mbappé, Benzema, Giroud, ils courent comme des lapins, à 50 km/h pendant 90 minutes, et puis là, vous êtes dans votre fauteuil, là, vous n'êtes pas sur le terrain, bien sûr,
Puis vous dites quand même, Mbappé, il n'est pas en forme aujourd'hui, il a mis 6 buts. C'est... Je n'ai pas trouvé terrible aujourd'hui. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu tous comme ça, hein? Ben si, moi ça m'arrive aussi au foot. Oh Giroud, pourquoi il garde Giroud et tout ça? Là, il n'a pas été qualifié. Bon, voilà. Il est bon quand même, hein? Il est très très bon, mais on est un petit peu critique. Et vous savez qu'il y a d'autres pays où ce n'est pas du tout un problème pour eux, ou beaucoup moins un problème en tout cas. Par exemple, au Canada, c'est très difficile de trouver un chrétien qui va critiquer son frère, sa sœur, quelqu'un qui est dans le service ou son pasteur. Là, vous pouvez vous en prenez un au hasard dans l'église et puis vous lui dites « Maintenant, tu vas critiquer ton pasteur ». Puis là, le frère canadien, il dit « Ah non, mais pourquoi je ferais ça ? Hein, il est tellement fin, notre pasteur ». Alors là, vous le mettez sur une chaise, vous le ligotez et vous prenez le chalumeau et vous enlevez sa chaussette. Et vous dites, maintenant, tu vas critiquer le pasteur. Et là, il dit, mais non, mais je briserai son cœur. Je préfère encore avoir le chalumeau. Parce qu'ils sont gentils. Voilà, ils ont un cœur comme ça. Et c'est vrai, même pas seulement dans l'église. Moi, j'ai vécu 10 ans au Canada, dans la société. C'est très rare d'entendre un collègue critiquer. Et parfois, c'est même un problème parce qu'il ne parle jamais des problèmes qu'il y a. Parce que, bon, la critique, il y a toujours quelque chose de négatif derrière. Maintenant, on est obligé parfois d'échanger, si on n'est pas d'accord, etc., de le faire de façon constructive, sans blesser, sans vouloir faire du mal. Et là, parfois, les Canadiens, ils ont tellement peur de blesser leurs amis, leurs collègues, que quand il y a des problèmes, ils ne les disent pas. Et ça, c'est un autre problème, évidemment. Mais alors, nous, il n'y a pas de problème pour ça. On est quand même... les champions de la critique, il faut quand même le reconnaître. Alors, dans tous les motifs, et on va les voir ensemble, hein, pas tous aujourd'hui, bien sûr, mais une chose que je voudrais faire remarquer aussi, c'est que j'ai fait de mon mieux pour trouver un motif positif pour critiquer, une motivation noble, louable pour critiquer, mais on l'a vu ensemble, hein, en fait, c'est toujours négatif, les motivations, vous êtes d'accord? Et donc, c'est vrai qu'on peut apporter un avis, un conseil, exprimer son opinion, sa divergence d'opinion, bien sûr, mais critiquer, arriver sur quelqu'un en disant « c'est comme ça que tu devrais faire !» Voilà. Ou alors, parler à quelqu'un en voulant lui faire du mal, finalement, en voulant l'écraser... Ça, c'est toxique, c'est négatif et on ne veut pas faire ça dans l'Église. Parce que le Seigneur Jésus n'aime pas la critique, on l'a vu dans ce texte. Hein, il va quand même reprendre le chef de la synagogue en disant « il ne faut pas que tu fasses ça », alors qu'il le critique sur sa prédication et sur ses actions. Alors aujourd'hui, l'idée, c'est que si... qui pourrait lever la main ce matin et dire « je n'ai jamais critiqué » Pas moi, en tout cas. Hein. J'ai même, dans les anecdotes, il y a même des choses que j'ai faites moi-même. Je pourrais, pour toutes les motivations, illustrer avec mes expériences de vie, quasiment. Hein. Voilà, ce n'est pas parce qu'on est sur une estrade qu'on est meilleur. C'est juste que le Seigneur nous a appelés. Mais c'est vrai qu'on a tous, plus ou moins, critiqué. Et donc, le but ce matin, c'est que, alors que le Seigneur peut-être nous parle sur des motivations secrètes, on ne monte pas sur nos grands chevaux, mais qu'on puisse, comme on l'a entendu dimanche dernier, faire grand cas de la parole de Dieu et puis nous laisser le Seigneur labourer notre cœur pour qu'on soit, on puisse corriger le tir, éventuellement demander pardon s'il est nécessaire et possible de demander pardon à quelqu'un pour l'avoir critiqué, nous repentir, c'est-à-dire nous repentir, faire demi-tour et vraiment souhaiter changer, demander l'aide et la grâce de Dieu pour changer, et puis progresser dans la foi et dans la sanctification. Alors ne prenez pas ce message comme un message négatif, même si ça va peut-être un petit peu secouer par moment, mais comme un message positif parce que le Seigneur veut nous rendre meilleurs. Ça va, personne n'a dit pire ce matin, c'est super. Voilà. Alors, on va parler d'une motivation ce matin.
Je ne sais pas si j'aurais... À quelle heure j'ai commencé, Rudy ? Je n'ai pas regardé. À 46. Oh, il est précis, hein, c'est parfait. Donc, on a jusque combien ? Dis-moi. 30-35 maximum. D'accord, super. Alors, on va faire une motivation et peut-être deux si on a le temps. On verra. Alors, on va parler aujourd'hui déjà de l'orgueil et de l'arrogance. Alors, j'ai regardé la définition. L'orgueil, opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur aux dépens de la considération due à autrui. Voilà, on pense qu'on a une valeur exceptionnelle. Et c'est bien, vous savez, c'est pas bon non plus de toujours penser qu'on n'a pas de valeur, qu'on ne vaut rien. Mais là, c'est l'inverse, c'est qu'on pense qu'on est vraiment la huitième merveille ou la neuvième merveille du monde, et donc au détriment des autres. Puis l'arrogance, c'est une attitude, c'est assez proche finalement, un peu différent, attitude qui se manifeste par des manières hautaines, blessantes, qui manifeste à l'égard des autres un orgueil méprisant, une insolence méprisante ou agressive. Voilà. Et je pense qu'on peut tous un petit peu se retrouver. À certains moments de notre vie, on a pu être blessant, orgueilleux ou arrogant. Alors, pensez-vous que le chef de la synagogue était orgueilleux et arrogant ? Ben, si, quand même, hein ? Parce qu'il va quand même reprendre le Seigneur Jésus sur sa doctrine. Il faut quand même le faire. Alors, imaginez-vous reprendre l'une des trois personnes de la Trinité sur la parole de Dieu. Non, mais qu'est-ce qui lui a pris, quoi ? Vous savez que le Seigneur Jésus, le Seigneur était aux côtés de Dieu durant la création du monde, de la terre, du ciel, de l'univers. Et le Seigneur avait une parole créatrice, c'est-à-dire qu'il parlait et de rien, les choses naissaient, les matériaux, la terre, la matière, l'eau, tout ça a été créé par sa parole. Il est la parole faite chair. Et pourtant, ce chef de la synagogue a critiqué la parole faite chair. Alors quand même, il a un petit peu le melon, hein, il faut le dire. À 12 ans, il nous est dit que Jésus, il était déjà en train de mettre la pâtée au plus grand docteur de la loi à Jérusalem. Il avait 12 ans. Et puis, ils étaient ébahis par ses connaissances et tout. Ils prenaient des notes, voilà, et ils leur posaient des questions. Ils ne savaient pas répondre et tout. Quand même, Jésus, c'était le champion de la parole de Dieu, bien sûr, évidemment. C'est le Fils de Dieu. Et donc, le Seigneur, eh bien, il ne devait pas être critiqué pour sa parole. Mais cet homme-là, parce que voilà, peut-être il a l'habitude de prêcher à la synagogue. Hein. Il pense que tout doit passer par lui. Il a l'orgueil de penser qu'il n'y a que lui qui sait. Donc il voit l'auditoire en disant, eux, de toute manière, ils ne connaissent rien. Il n'y a que moi qui maîtrise un petit peu l'explication de la loi de Moïse. Et puis il voit un jeune arriver, là, qui commence à prêcher. Et puis il y a un miracle et tout. Mais il dit, mais celui-là... pour qui il se prend, de prendre ma place, quoi. C'était à moi de prêcher aujourd'hui. Et puis donc, il le critique. Mais, vous savez, l'habit ne fait pas le moine, et avoir un titre en tant que leader spirituel, ce n'est pas suffisant. Parce que, avec le titre, nous devons voir s'accomplir des signes, des prodiges et des miracles dans notre ministère. Sinon, ça ne va pas. L'exception, ce ne sont pas les ministères où on voit des signes, des prodiges et des miracles. Ça ne devrait pas être l'exception, ça devrait être la règle. Parce que quand on est conduit et agréé du Seigneur, eh bien, il y a des choses qui se passent et le Seigneur fait son œuvre. Nous, on n'a aucun pouvoir, mais lui a tous les pouvoirs. Et donc, cet homme, il se pense supérieur à Jésus, alors qu'il y a cette femme qui était depuis 18 ans dans l'auditoire, peut-être. En tout cas, elle était courbée depuis 18 ans. Je ne sais pas si elle assistait au message de la synagogue tous les sabbats.
Mais elle était là, elle était, comment dire, sous une possession démoniaque, courbée par le diable, et puis rien ne se passait depuis un moment. Et le Seigneur Jésus arrive dans cette synagogue et puis il règle le problème en une seule fois. Il ne faut pas deux réunions. Donc c'est quand même, il faut quand même une certaine dose d'orgueil devant la prédication puissante du Seigneur, les miracles, pour trouver à redire. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors l'orgueil et l'arrogance de cet homme l'amène aussi à se persuader qu'il n'y a que lui qui a raison et à ne pas se remettre en cause, à ne pas écouter. Et vous savez, quand il émet un avis là, sur le sabbat en disant, il se trompe complètement, hein, parce qu'il dit, il prend Jésus pour un médecin. Il dit, il faut venir vous faire guérir par le médecin les jours de semaine. Le sabbat, le médecin, Jésus, là, il ne peut pas travailler. Voilà, il faut aussi qu'il se repose, il est médecin. Voilà. Et il ne comprend pas du tout qu'en fait, cette femme, elle n'avait pas besoin d'un médecin. Cette femme qui était courbée, vous auriez pu faire de la kiné, de l'ostéo, comment on dit, de l'amener à un ostéopathe, le faire craquer, la faire craquer dans tous les sens, l'amener à, comment dire, comment on appelle ça, vous savez, en cure thermale. Voilà, elle serait restée courbée. Parce que le problème, ce n'était pas une maladie. Le problème, c'est que le démon la tenait courbée. C'était un problème spirituel. Et il y a une grande symbolique dans ce fait, c'est que, en fait, elle était courbée, elle souffrait, et c'était le signe de la domination du mal et du malin sur elle. Et quand le malin domine sur nous, il nous amène toujours à être soumis, mais de force à lui, et à en souffrir. Voilà. Et le Seigneur lui voit juste et il chasse le démon. Et cette femme, elle n'a pas besoin de médecin, elle se relève aussitôt. Et alors vous voyez que cet homme, il ne se remet pas en cause. Et en fait, dans l'auditoire, seule une minorité, la Bible nous dit qu'il y a quelques personnes qui ont pris son parti. Voilà, mais une majorité des gens étaient scandalisés de ce qu'il a dit, puisqu'ils avaient bien compris. Ils voient Jésus arriver, ils sont saisis par sa parole, ils voient cette femme qui est délivrée alors qu'elle venait peut-être depuis des années, et donc ils ne sont pas d'accord avec le chef de la synagogue. Ils disent quand même, ce Jésus, il a quelque chose de spécial, on pourrait peut-être le laisser continuer, c'est bon pour l'instant. Hein ? C'est super. Donc on voit que, en fait, cet homme, je pense qu'il était persuadé qu'il avait raison, hein, dans son raisonnement. Mais en fait, il ne regarde même pas autour de lui, il ne voit pas qu'une majorité des gens sont embarrassés pour lui, finalement. Et pourquoi ? Parce qu'il pense qu'il sait mieux que tout le monde, c'est l'orgueil, c'est le piège de l'orgueil. Et puis donc, le Seigneur est obligé d'intervenir, ce qui tourne un petit peu à sa honte. Hein ? La Bible nous dit, que dans une autre version, que les adversaires du Seigneur rougissaient de honte. Et donc, c'est ce qui arrive quand on est dans l'orgueil, c'est qu'on se croit tellement malin qu'on ne réalise pas que tout le monde autour de nous pense que finalement, on n'est pas si malin que ça. C'est vrai, hein ? Et souvent, quand on se vante trop, etc., après, les gens, ils sont... Voilà, on perd tout crédit. Alors, qu'est-ce que... Oui, alors, la Bible dit dans les Proverbes, Proverbe 14:14, « Celui dont le cœur s'égare... » On pourrait aussi traduire par le croyant charnel, le croyant naturel, qui n'a pas l'Esprit de Dieu, se rassasie de ses propres voies. Donc, quand on est orgueilleux, en fait, on pense, on ne s'écoute que soi-même et on écoute plus ce que les autres ont à dire, on écoute même plus ce que Jésus a à nous dire. Et ça, c'est un problème. Alors attention pour nous à ne pas avoir l'orgueil de critiquer les actions, les dires de personnes qui effectuent un service dans l'Église, sachant que eh bien, le Seigneur est là pour gérer les choses. Hein. Et le pasteur également, c'est un surveillant, donc il est là pour faire en sorte que la marche de l'Église soit la plus optimisée possible. Et donc, eh bien, il n'y a pas forcément besoin de rajouter grand-chose. Qu'est-ce que vous en pensez ?
ne jugeons ou ne critiquons pas un frère ou une sœur que Dieu seul est habilité à juger. Alors la première question à nous poser avant de critiquer, déjà, c'est est-ce que je suis plus, aussi ou moins qualifié dans le domaine dont je vais parler que la personne que je m'apprête à critiquer ou conseiller dans ma grande sagesse? Parce que moi, j'ai repéré quelque chose dans la vie, c'est que c'est le principe de moins on en sait, plus on en parle. Voilà. Alors souvent, vous avez des gens comme ça, ils vous expliquent. Hein, moi, par exemple, je travaille dans la génétique des maladies humaines, mais il y a des gens qui n'ont fait aucune formation et tout, mais ils me disent « Non, mais l'obésité, c'est comme ça, il n'y a pas de gène dans l'obésité. » Ah bon, je dis, moi, ça fait 25 ans que je travaille dans ce domaine. Merci, je vais prendre des notes et tout. Et ce n'est pas parce qu'on ne sait pas que parfois on ne parle pas, on est d'accord. Mais c'est quand même dangereux parce que... Donc la première question, c'est est-ce que je suis habilité à donner des conseils ? Rudy me parlait là, pour les formulaires, vous savez. Alors il a déjà dû écrire un gros mémoire sur tous les points de doctrine. Et puis, comme on pourrait penser, ben, ça suffit, il a écrit un gros pavé, là, il est au top dans la doctrine. Mais dans les ADD, après, on l'amène devant un jury, et puis là, il le cuisine, des spécialistes, là, des frères qui ont l'expérience et tout. Il vérifie absolument tout sur sa doctrine pour que sa doctrine soit impeccable. Il est au top. Alors, pourquoi on critiquerait Rudy après une prédication, par exemple? Il a quand même le niveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a fait les formulaires? Ben voilà, il faut réfléchir à ça avant de quand même de mettre son grain de sel un petit peu, si je peux me permettre. Alors ça, c'est la première question. Et la seconde question à nous poser avant de critiquer, c'est est-ce que je fais quelque chose dans l'Église aussi? Parce que j'ai aussi remarqué, désolé de le dire, mais que très souvent, on a dans l'Église des inspecteurs des travaux finis, C'est-à-dire, les gens, qu'est-ce que vous faites dans l'Église? Rien, mais moi, je donne des conseils. Voilà. C'est cool, Ça va vite, quoi. Mais ça, c'est une autre chose aussi. Et vous savez pourquoi, souvent, les gens qui critiquent ne font rien dans l'Église? Peut-être ils ont fait dans le passé. Mais en fait, ce qui se passe, le mécanisme, c'est que quand on critique, le Seigneur n'aime pas ça. Et donc, il ne peut pas nous bénir dans ce qu'on fait dans l'Église. Et donc, il n'y a pas de fruit dans le ministère de celui qui critique sur une base régulière. Ce n'est pas possible, parce que le Seigneur a horreur de la critique. Il aime, Dieu résiste aux orgueilleux, nous dit Jacques au chapitre 4, verset 6, mais il fait grâce aux humbles. Alors, vous savez, quand on a un comportement, on appelle ça un peu le légalisme, ben c'est ce que cet homme fait, il va au-delà de ce que la Bible dit. C'est-à-dire, la Bible dit, voilà, le jour du sabbat, on se repose et on sanctifie Dieu, on va à la synagogue, on se réjouit dans le Seigneur, et puis le Seigneur peut nous bénir par des miracles. Lui, il va au-delà, il coupe les cheveux en quatre et il dit, vous ne pouvez absolument rien faire, même pas bouger de la chaise le jour du sabbat. Ah ouais? Et vous savez, il y a encore des courants religieux, où c'est le cas aujourd'hui, où le jour du sabbat, en fait, ils ne peuvent pas bouger un interrupteur, par exemple, parce que c'est un travail. Vous voyez? Et alors, donc, il avait une interprétation, il allait au-delà de ce que le Seigneur demandait, puisque on voit bien que Jésus, par exemple, il accepte que le jour du sabbat, bah, si on a des animaux, on aille les faire boire, les faire manger, etc. Le sabbat, le but, c'était de se reposer. C'est pas d'être enchaîné en se disant oh, la foudre va me tomber dessus si je fais un pas. Et on voit que cette personne allait bien au-delà de la parole de Dieu. Et donc, parfois, les gens qui critiquent dans l'Église vont au-delà de ce que même que ce que le Seigneur nous demande, ce qui est quand même le comble. Et donc, on les appelle des PSQ-MTM. Je répète. Des PSQ-MTM. Est-ce que vous savez ce que c'est un PSQ-MTM? Plus sain que moi, tu meurs. Alors, ils pinaillent sur des détails. Et alors, quand vous avez des plus sain que moi, tu meurs, qui vous, comment dire, vous savez,
Ils regardent votre vie, comment dire, en détail. Je suis allé à un mariage il y a quelques semaines et une de nos amies disait, en fait, elle faisait l'école du dimanche. Et puis, voilà, elle était sur Facebook hein, avec des gens de l'église. Et puis, elle a fait une photo où ils étaient, c'était un week-end, détente. Et donc, elle avait un jeans, vous savez, les nouveaux jeans là, avec des patchs. Là. Moi, je n'achète pas ces jeans-là parce que je suis un peu gratteux. Alors, je me dis, pourquoi j'achèterais un jeans le même prix ou même plus cher alors qu'il y a moins de matière ? Alors moi, ils sont toujours, il n'y a pas de trou, parce que sinon, pour moi, c'est quand même, on se fait arnaquer un petit peu. Mais enfin, elle avait un jean, c'est un peu comme ça, à la mode, et puis là, elle s'est fait tirer dessus, là. Il y a une sœur qui a dit, c'est inacceptable d'enseigner les enfants, à tel point qu'elle en a pleuré des semaines. Elle allait à l'église avec une boule au ventre. Est-ce que c'est normal d'aller à l'église, de servir le Seigneur avec une boule au ventre ? Ah non, là, on a complètement manqué la cible quand on en arrive à ça. Alors, je ne vais pas débattre sur est-ce que c'est bien ou pas d'avoir un jeans à la mode ou pas, j'en sais rien. Mais je trouve que quand même, c'est mieux d'encourager, quand quelqu'un fait un service, de l'encourager que de pinailler sur des détails comme ça. Et donc, vous pouvez être sûr que quand vous avez un... Je regarde parce que j'ai bougé là. Un PSQ-MTM sur vos... qui est en train de vous cibler, il faut lui dire « Je sais que tu as des péchés secrets. Oh, » Alors, parce que les plus saints que moi tu meurs, la Bible nous dit, c'est dans Hébreu, chapitre 12, verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Donc en fait, quand on est légaliste comme ça, eh bien, on n'a plus le Saint-Esprit attristé et on ne l'a plus avec nous. Et là, on se met à être tenté par des choses pour lesquelles on ne devrait pas être tenté normalement en tant que chrétien. Donc, vous voyez que quand il y a de l'orgueil, quand il y a de l'arrogance, eh bien, finalement, le Seigneur n'aime pas ça et on prend le risque de se couper du flot de la grâce de Dieu. Parce que moi, c'est ma prière tous les jours. Seigneur, fais-moi la grâce de suivre ta loi. Que je puisse te rendre fier aujourd'hui. Parce que je sais que je ne peux pas le faire par moi-même. J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit pour faire ma journée et que les gens voient en moi un ambassadeur du Christ. Et je ne peux pas me couper une seule seconde du flot de la présence du Seigneur. Sinon, ça va partir dans la mauvaise direction. Vous me comprenez ? Amen. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit à propos de l'orgueil ? Là, Rudy, on va faire une seule motivation. Je vois qu'on est parti 30-35, hein, tu m'as dit. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit à propos de l'orgueil ? Aux Romains, Épître aux Romains, chapitre 12, verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Des sentiments modestes. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc, si je me mettais à mordre ma main, là, vous diriez, celui-là, il est coucou, hein, il est parti, il a un problème. David va voir le psychiatre. On ne va pas abîmer sa propre chair. Eh bien, quand on critique un frère, une sœur, c'est comme si on se faisait du mal à soi-même. Parce qu'on est tous ensemble, dans la même barque. Le Seigneur nous donne divers services, ministères. Et si on commence à se tirer dessus les uns les autres, eh bien, la barque n'avance plus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si on se dispute au lieu de ramer, eh bien, ça ne bouge plus du tout. Alors, je vais vous donner une anecdote. Je vous l'avais dit que j'avais de nombreuses anecdotes à mon sujet sur tous les travers possibles. Voilà, on apprend, parfois, on est des élèves lents à comprendre, hein, c'est vrai, dans la parole de Dieu. Et puis, c'est vrai qu'avec le recul, maintenant, je me souviens de trucs que je faisais quand j'étais jeune. Et je me dis quand même, merci Seigneur,
parce que un petit peu à la fois quand même tu nous donnes de la sagesse. Alors un dimanche après le culte, on a un bon culte là à Maubeuge, et puis il y a un frère Jean-Marie qui vient me voir et il dit: David, j'ai lu Josué chapitre 1er ce matin et le Seigneur m'a dit de te dire de le lire 7 fois. Alors moi j'étais jeune. Alors je dis: Jean-Marie, quand même déjà 1 ou 2 fois, c'est déjà pas mal quoi. Il dit: ce que j'ai dit, je l'ai dit. Et puis il s'en va. Et puis moi je, alors un peu d'orgueil, vous voyez, je dis quand même que le frère là. Mais je savais quand même qu'il avait un don pour la prophétie, des paroles de connaissance, tout ça. À plusieurs reprises, il y a eu des choses assez exceptionnelles avec ce frère. Donc j'ai quand même lu Josué chapitre 1er, je vous avoue, pas 7 fois, une fois, et puis rien ne s'est passé. Enfin, c'est la parole de Dieu, c'est toujours bon quand on la lit, mais rien de spécial, vous voyez. Un ange n'est pas apparu ou quelque chose, quoi. Enfin, je dis quand même, Jean-Marie. Et vous savez, quelques années plus tard, en fait, j'ai reçu une offre d'emploi au Canada, et puis c'était dur à mon travail, j'ai demandé au Seigneur: Seigneur, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? C'est quand même une grosse décision. Hein. Vous savez, quand on était à l'aéroport, là, puis qu'on avait quelques valises et vous partez dans un nouveau pays, ça fait un peu drôle quand même. Hein. Et il me fallait absolument l'approbation du Seigneur pour savoir que j'avais sa bénédiction pour changer de pays, parce que c'est quand même une décision importante. Et devinez dans quel chapitre le Seigneur m'a donné sa réponse. Josué, chapitre 1er. Donc le frère, en fait, 7 fois, c'est le chiffre de Dieu, c'est la divinité. Donc des années avant, le Seigneur savait, et quand le Seigneur m'a parlé, vous savez, dans Josué, il est dit que tu vas passer ce Jourdain, et nous on passait l'Atlantique, et tout lieu que foulera ton pied sera ta propriété. Il y a des paroles de bénédiction. Et le Seigneur m'a touché, m'a encouragé. Les premiers mois ont été difficiles. Christine, elle ne parlait pas un mot d'anglais et tout. Hein. Donc, toutes les démarches et tout, je ne vous dis pas, avec le travail. J'ai perdu 7 ou 8 kilos les premiers mois. Il faudrait peut-être que j'y retourne, d'ailleurs. Ça me ferait du bien. Mais avec cette parole, et là, j'ai réalisé que le Seigneur, des années à l'avance, savait déjà, avait tout prévu, tout planifié. Le Seigneur est merveilleux. Et je me suis repenti. J'en ai parlé à Jean-Marie. Je lui ai dit: tu te souviens? Et il était heureux. Tu te souviens quand tu m'avais donné cette parole? Et je dois t'avouer, avec le recul, je m'étais dit quand même, cette fois, j'avais pensé un peu avec légèreté, mais finalement, tu étais vraiment inspiré par le Saint-Esprit. Vous voyez? Alors, c'est quand même important que nous puissions faire preuve d'humilité et de modestie. Alors, en conclusion, pour ce chapitre, est-ce que l'orgueil qui pousse à la critique est une bonne chose? Non, hein, il n'y a rien de bon dedans. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, frère? On continue? J'ai encore 10 minutes, je pense que je peux y arriver. Ça va? Hein? Ouais, c'est bon. Hein. D'accord. Alors maintenant, c'est assez proche, donc je vais aller assez vite finalement. On va parler d'une autre motivation. Il y a eu l'orgueil, l'arrogance, la mégalomanie. Alors c'est un peu différent, la mégalomanie. Je lis encore une fois la définition. Comportement pathologique caractérisé par le désir excessif de gloire, de puissance, ambition démesurée. La folie des grandeurs. Hein. Vous savez, il y a ce film là avec Louis de Funès. Voilà, on veut plus que ce que le Seigneur nous a attribué, finalement. On veut de l'influence, du pouvoir, de la prééminence. Et c'est ce que cet homme voulait, finalement. Je crois que c'est une raison importante pour qui l'a poussé à critiquer le Seigneur. C'est qu'il voit un jeune arriver, là, qui prêche une fois, et puis il lui vole la vedette. Alors, il n'est pas d'accord, et puis il va même essayer de faire une tentative pour mettre Jésus sur la touche. Il lui dit: tu devrais venir faire tes miracles pendant la semaine. Pourquoi? Parce que le jour du sabbat, personne ne travaillait. Donc la synagogue était pleine à craquer. Hein. Il y avait tout le monde, il y avait toute la ville.
Et donc, par contre, la semaine, les gens travaillaient, il y avait quelques brebis égarées pendant la semaine, et donc il propose à Jésus, il dit, moi, laisse-moi le sabbat, là, il y a tout le monde, mais la semaine, tu peux venir faire tes miracles. Et là, on sent que le chef de la synagogue, il sent que son influence est en train de lui échapper. Mais mes amis, merci au Seigneur quand notre influence nous échappe parce qu'il y a des miracles et que la gloire de Dieu est dans l'Église. Qu'est-ce que c'est important, notre influence? Ce qui est important, c'est que Dieu puisse avancer et faire des choses merveilleuses. Alors, ce désir, parfois, de maintenir une influence, c'est finalement ce désir d'être plus que ce que le Seigneur nous a attribué, d'avoir du pouvoir sur les autres, sur la communauté, parfois même quand ce n'est pas vraiment légitime, va nous amener parfois à critiquer ceux qui font vraiment l'œuvre de Dieu avec efficacité dans l'Église, parce que en les voyant, nous nous sentons menacés par les bénédictions qui arrivent, leur succès entre guillemets, parce que c'est le succès du Seigneur, et donc on pense que voilà, ils vont prendre notre place, ils vont nous faire disparaître dans l'ombre. Alors on attaque, on dit des choses méchantes comme ça pour qu'ils se découragent le plus vite possible, et puis qu'on puisse reprendre notre place, voilà. L'épisode est fini. Et c'est ce que cet homme a voulu faire avec le Seigneur Jésus, mais ça ne s'est pas passé comme il le voulait. Hein. Voilà, par exemple, je pensais à ça. Ça peut arriver, vous savez, alors je ne vise personne, hein, j'y ai juste pensé, parce que dans le passé, etc., parfois, il y a eu des situations. Quand un pasteur arrive, vous savez, il a la vision. Hein, il dit, je vais faire ça, ça, ça. Puis il est rempli de feu. Puis là, il arrive au conseil, là. Puis il y a le conseil d'administration, il dit, je voudrais faire ci, ça, ça, ça. Puis là, les frères, ils disent, ah non, mais nous, on n'est pas d'accord. Ils commencent un petit peu à critiquer la vision. Et pourquoi? Parce que parfois, quand on est dans le conseil depuis longtemps, et je ne vise personne, je le dis encore, c'est juste un exemple, on peut penser, les pasteurs, ils vont, ils viennent, et puis nous, on reste, donc c'est nous qui avons le guidon, hein. C'est nous qui avons le manche, on décide. Puis là, parfois, ça pose des problèmes, parce que quand même, le Seigneur met des ministères, et puis il les inspire, et puis il faut quand même que, dans le meilleur des cas, quand tout le monde est rempli par le Saint-Esprit, eh bien, il y a, on le voit dans les actes, il y a un accord entre les uns et les autres. Mais parfois, on peut penser qu'on a une influence qui est supérieur à ce que le Seigneur a voulu pour nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, c'est important de connaître la place que le Seigneur nous attribue, de ne pas nous écraser, et de bien savoir ce que le Seigneur attend de nous, mais pas non plus d'avoir la folie des grandeurs. Alors, quelques versets de la parole. Psaume 115, verset 1, « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Tous les services dans l'Église ont pour but de glorifier seulement le Seigneur. » Luc, chapitre 17, verset 10, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné par le Seigneur, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. » Nous avons fait ce que nous devions faire. Ça, c'est l'humilité, hein, c'est pas la mégalomanie. Puis il y a encore ce texte, vous savez, avec la personne qui arrive aux noces, là, qui se met à la première place. Et puis là, il y a quelqu'un qui arrive qui dit « Non, mais il y a un invité plus prestigieux que toi, est-ce que tu pourrais aller à la dernière place ?» Alors, quand on se met à une place qui est au-dessus de la nôtre, en général, on finit à la dernière place, vous comprenez? Donc, c'est important qu'on voit avec le Seigneur notre périmètre, et puis qu'on n'ait pas des désirs de grandeur, parce que ça peut nous amener à critiquer et à faire mal. Gardons en tête que le premier et plus grand péché qui est arrivé, c'est celui du diable. Ça a été l'orgueil et la mégalomanie, puisqu'il a voulu se hisser au niveau de Dieu et même au-dessus. Alors que Dieu lui avait donné pourtant un ministère formidable. Hein. Il avait une grande influence, une grande puissance, mais ça ne lui suffisait pas. Ça a été le premier péché.
Et ça a fait qu'il est tombé et que maintenant, eh bien, ce qui l'attend, c'est la ruine. Et donc, ce serait quand même dommage que, en ayant un peu trop le melon, en voulant plus que ce que le Seigneur nous a attribué, eh bien, on imite le diable. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait quand même triste. Donc, on veut plutôt être dans la modestie et dans ce que le Seigneur nous a attribué. Je vais lire ce passage qui nous parle de l'adversaire de notre âme, Ésaïe chapitre 14, 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Quelle mégalomanie, hein. « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Alors peut-être que une des motivations et des raisons de nos critiques, c'est parce que nous ne supportons pas que les autres nous fassent de l'ombre, ou alors on veut avoir une influence que finalement le Seigneur ne nous a pas attribuée, on vise trop haut, et ça pose des problèmes. Alors sachons rester aussi à la place où Dieu nous veut, car c'est là où nous allons prospérer le plus. C'est la meilleure part pour nous, eh bien, finalement, d'atteindre les objectifs que le Seigneur a prévus pour nous, que son nom soit béni. Alors, est-ce que ça a été? Vous avez été trop secoué, ça va? Ça va? Ouh, c'est timide quand même. Donc, bon, on verra, on continuera la prochaine fois. Tant que je n'ai pas de tomates ou de flèches, c'est que c'est bon. Hein. Merci au Seigneur, on va prier ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et je pensais à cela, quelle profondeur dans ta parole. Seigneur, si nous n'avions pas ta parole pour nous guider tous les jours, où serions-nous aujourd'hui ? Seigneur, tu as dit que ton peuple aurait la supériorité sur toutes les autres nations s'il écoutait tes commandements et obéissait. Et nous comprenons toute la richesse, toute la profondeur de ta parole. Alors Seigneur, nous te prions ce matin tous ensemble. Seigneur, c'est vrai que tu connais nos vies et si nous avons pu critiquer par le passé, peut-être par orgueil, par arrogance, par folie des grandeurs, par mégalomanie, Seigneur, que tu puisses trouver un écho favorable de nos cœurs. Et Seigneur, nous crions à toi, Seigneur, pour que tu mettes dans notre cœur cette modestie, cette humilité que nous pouvions voir dans le Christ lors de son ministère terrestre. Lui qui est arrivé à Jérusalem, non pas sur un cheval flamboyant, mais sur un ânon, avec humilité. Seigneur, donne-nous ton humilité et Seigneur, bénis ton Église. Seigneur, que nous soyons connus comme une Église où l'amour est présent, où l'encouragement est présent, Seigneur, et que tu puisses te servir de chacun de nous dans les sphères que tu as prévues pour nous, dans les services que tu as prévus pour nous. Tu bénis mes frères et sœurs ce matin et je te remercie, Seigneur, pour ta parole qui touche notre cœur. Amen. Amen. Je vais inviter l'équipe de louanges à s'approcher à l'avant. Merci à notre frère pour le message. Merci également au Seigneur pour ce qu'il fait. Amen. Quand il parlait de lire Josué chapitre 1 cette fois, j'ai pensé à une autre histoire de la Bible. Naaman va te baigner dans le Jourdain. Cette fois, il a dit, mais il n'y a pas des eaux meilleures que ces eaux boueuses. Mais pourtant, c'était là que la délivrance l'attendait, la guérison. Et ça nous parle d'obéissance. Merci encore que le Seigneur bénisse nos cœurs et nous accorde la grâce vraiment de marcher là comme il le désire, conformément à sa parole. On veut accueillir les nouveaux. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont là de passage ou qui nous visitent? Voilà.
Amen. Le prénom c'est, je ne sais pas bien, Grela. En tout cas, bienvenue, que le Seigneur vous bénisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre? N'hésitez pas, on ne va pas vous jeter de tomates non plus. Voilà, merci Seigneur. Vous avez les salutations du pasteur Jean-Marc et son épouse Isabelle qui sont ce matin à l'église de Pont-à-Mousson, qui vous passent le bonjour, bonjour chaleureux dans le bon nom de Jésus-Christ. Mais également les salutations du pasteur Hugo, on a quelques photos et vidéos, je ne sais pas si ça fonctionne, qui est en Pologne, en Ukraine, pardon, Pologne et Ukraine. Normalement, il y a quelques photos. Ça va arriver. Voilà, des vidéos. Là, ce sont des jeunes qui se mettent au service pour préparer des sacs alimentaires. Encore une photo, une vidéo. Voilà, la chorale, l'église qui célèbre. Et il y a une photo. C'est pas grave si la photo ne vient pas. Voilà, ah, ça y est. Voilà le pasteur Rio qui nous passe le bonjour depuis la Pologne. Là, je pense qu'ils sont en Ukraine là. En tout cas, continuons de prier pour cette mission, que Dieu fasse réussir cette mission. On bénit le Seigneur vraiment pour tout ce qui est mis en place pour nos frères et sœurs en Ukraine. Vous êtes d'accord avec cela? Amen. Rappel de nos réunions en semaine, lundi 20h, nous avons ici notre rencontre de prière. Venez à la rencontre de prière, comme j'aime le rappeler, on ne prie pas seulement, mais il y a également des temps d'enseignement. Vous savez, si on veut grandir, il faut que l'on ait soif de la parole de Dieu, de l'enseignement, parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai le temps de méditation personnelle, mais c'est important aussi ce temps d'enseignement, parce qu'il y a des ministères qui sont là donnés pour eux. Que l'Église, le corps de Christ, soit construit et bâti. Du coup, n'hésitez pas à venir au rendez-vous de prière pour non seulement prier, mais également être enseigné. Samedi 18h, on a notre rencontre de jeunesse. Alors là, ça va être aussi un temps comme les deux autres samedis. Ce sera un temps d'esprit, un temps spirituel avant, et ensuite un temps de repas ensemble. Vous aimez bien les repas, alors n'hésitez pas à vous inscrire. Dimanche 10h, notre culte. Et rappelez également que samedi prochain, il y a ici le rendez-vous à 16h avec les candidats au baptême. Samedi prochain à 16h. Notez bien l'horaire, 16h, pas 16h30, pas 17h, mais 16h pile. Pour la dernière séance, apportez vos cours, bien évidemment complétés, avec vos témoignages déjà préparés, parce que ce sera aussi l'occasion de faire cet exercice témoignage. Et je vais inviter notre frère Michel Schmidt. Est-ce qu'il est là? Et notre frère Virgo, également s'approcher comme ça, peut-être d'une pierre deux coups. Viens Michel, oui, s'il te plaît. Et je vais inviter David également à venir. On va prier pour notre frère Michel qui va se faire opérer, c'est le 30? Lundi, voilà. Lundi prochain, nous allons prier pour lui que le Dieu de grâce, le Dieu de miracles, comme nous l'avons vu dans cet exemple de Luc, il est capable de guérir. Et je vais inviter l'Église, on va se tenir debout là à votre place. Vous pouvez prier également avec nous. On va prier pour notre frère, que le Seigneur pose sa main et manifeste sa gloire et sa puissance dans sa vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour la puissance, Seigneur, de ton nom et de ton action dans nos vies.
Seigneur, nous l'avons encore lu ce matin. Seigneur, tu discernes tout de suite nos besoins. Tu les connais, Seigneur. Tu connais notre frère Michel dans sa santé, dans son corps, dans ses besoins. Seigneur, et nous te prions pour cette opération à venir, Seigneur, que tu puisses faire éclater ta gloire, Seigneur, en le visitant, Seigneur, qu'il puisse récupérer une bonne santé, Seigneur, qu'il puisse continuer à te servir et nous bénir, Seigneur. Nous apprécions notre frère, Seigneur, sa bonne humeur, Seigneur, son bon esprit. Alors, Seigneur Jésus, nous crions à toi, Seigneur, et nous te demandons de prendre soin de notre frère. Seigneur, quand un membre souffre, les autres membres souffrent avec lui. Alors, Seigneur, tu l'entoures de toute ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton grand amour et merci pour ta victoire. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est devant toi que nous sommes ce matin, Seigneur, notre Père et notre Dieu. Obéissant à ta parole, nous lui imposons les mains, Seigneur, ce matin, reconnaissant que la prière de l'Église a une grande efficacité. Unis dans l'esprit et dans la foi, nous t'invoquons, Seigneur, sur notre frère. Tu dis de t'invoquer au jour de la détresse, tu nous répondras et nous te glorifierons. C'est vrai, ce n'est pas une détresse, mais il doit passer entre les mains des hommes qui sont limités. Mais toi, tu n'es pas limité, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu des prodiges. Tu fais des choses belles en ton temps, Seigneur. Et ce matin, nous proclamons la délivrance, la guérison de notre frère. Oui, que les hommes ne puissent pas toucher son corps, puisque toi-même, en ce moment même, tu es en train de travailler en lui. Seigneur, tu enlèves la partie malade, parce que tu as donné à l'homme l'intelligence de construire, de créer. Quand il y a une faiblesse, Seigneur, tu leur donnes la sagesse de retrouver la panne. À plus forte raison que c'est toi qui l'as créé, à ton image et à ta ressemblance. Tu sais de quoi il est formé, Seigneur. Et nous proclamons la délivrance de notre frère. Et qu'il puisse témoigner à nouveau. Tu l'as touché, il a été guéri. Qu'il puisse dire à ces hommes, il a un Dieu tout-puissant qui sauve, qui guérit, qui libère et qui revient également. Sois loué ce matin, sois remercié Seigneur pour ta grâce et ta fidélité au nom de Jésus. Amen et amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Sois béni mon frère. Amen. Gloire au Seigneur. Nous vous rappelons également qu'il y a une vente de gâteaux organisée par la jeunesse pour aider au financement du déplacement des jeunes pour Cap Saint-Dié 2022. Du coup, si vous avez faim, si jamais vous avez faim, prenez un dessert. C'est des gâteaux faits maison. Très franchement, je n'ai pas encore goûté, mais je crois dans la foi qu'ils sont délicieux. Amen. Gloire au Seigneur. On va terminer par ce dernier chant bientôt, très bientôt. Je vais vous inviter, pour ceux qui le peuvent, à se tenir debout avec nous. On va prendre ce chant bientôt, très bientôt. Nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Alléluia, alléluia, nous verrons le Seigneur. Nous le Seigneur. Oui, si nous l'aimons,
Alléluia, toi le seul Seigneur. Amen. Bientôt, très bientôt, nous allons voir le Seigneur. Est-ce que tu as ton passeport? Gloire à Jésus. Je vais demander à David Emmanuel si tu veux bien terminer par la prière. Des gens qui voient leur visage et qui repartent et qui corrigent, non pas des auditeurs oublieux, Seigneur Jésus. Merci encore vraiment pour tous les prédicateurs, pour tous, Seigneur, encore nos pasteurs, Seigneur. Merci pour tous ceux qui travaillent, Seigneur, à l'avancement de ton œuvre. Merci, Seigneur, pour les âmes qui se joignent à nous, Seigneur Jésus. Nous bénissons ton nom. Bénis encore, Seigneur, nos frères qui ne se portent pas bien. Bénis encore nos frères, Seigneur, encore Jésus, qui sont dans la souffrance. Tu restaures, tu guéris, Seigneur Jésus. Tu es vivant, Seigneur. Que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. 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 Juste une dernière annonce rapidement. Il y a notre frère Fabien qui est hospitalisé, Fabien Acampo de Pont-à-Mousson. Pensons à lui dans la prière, dans le nom de Jésus. Bon appétit. Bientôt, très bientôt, le Seigneur.